Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour le 12e épisode de Planet Coaster. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait pas mal de choses, hein, même beaucoup de choses. Tout d'abord, on va commencer un peu par la montagne russe en bois, les modifications que j'ai faites sur celle-ci. J'ai revu un peu la courbe ici, hein, j'ai un peu plus accentué pour pas qu'il y ait un trop plat ici, parce que c'était vraiment il n'y avait rien ici en fait, c'était juste vraiment un virage et après seulement il y avait la drop, tandis que là j'ai essayé de mettre quand même une petite pré-drop avant la grosse drop qui est juste là. J'ai aussi revu un peu les brankings qui étaient foireux. Voilà, ici il n'y a plus rien de modifié. Oui, j'ai rajouté aussi un virage parce que une hélix tout simplement, parce que ça, le seul virage là qu'il faisait là, c'était pas très très beau ni réaliste, hein, tout simplement. J'ai fait aussi le petit bâtiment de la gare qui va avec, qui est ma foi très sympathique. Bon, la file d'attente, elle est pareille, un truc classique. J'ai fait aussi j'ai mis un peu d'environnement, de relief aussi sur le côté. Ça rend plutôt bien. Bon, après, avoir un terme quand le parc, cet endroit sur le côté, normalement, ça risque de rendre plus joli. Quand le parc sera bien complet. Là pour l'instant il manque encore quelques attractions. Là j'ai fait mon petit toit pour le spinning coaster. Alors le spinning coaster, je sais pas si c'était une bonne idée de le mettre là au final, puisque tout simplement le débit est assez pitoyable. Comme vous pouvez le voir, on a alors, je vais regarder 17 minutes d'attente. Voilà, c'est quand même assez conséquent pour un coaster dans un jeu. Hein. En réalité, j'aimerais bien avoir tout le temps 17 minutes d'attente. Bref, c'est une autre question, ça. Et aussi, j'ai viré la dive machine qui avait un débit trop important, en fait. En fait, ça aurait été mieux de mettre la dive machine ici et de mettre le spinning coaster ici. Et ben, je viens de me rendre compte que c'est pas une si mauvaise idée. Merde. Je pense qu'à terme, je supprimerai le spinning coaster ici et je le mettrai ici. Et en plus, je pense que ça irait bien avec le terme un peu usine de la zone ici. Et j'ai mis au final un air... Non, c'est pas un air race. C'est Zamper là qui fait les air race. Je ne sais plus. Un Skyfly de chez Garchlower. Je l'ai appelé Planétaire. Bon, ça m'a fait un peu marrer. Je me suis un petit jeu de mots. Avec Planet Coaster, j'ai fait une petite file d'attente aussi, très sympathique. Ouais, je vois vraiment bien le spinning coaster dans ce coin-là au final. Bref. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une toute nouvelle montagne russe. J'avais pensé au Giga Coaster de chez Intamin. On va le foutre ici. Vraiment au fond, au fond, au fond. On le fera partir un peu ici, on mettra quelques virages dans tous les sens, vous verrez, ça va être sympa, j'ai ma petite idée en tête. Ce sera thématisé, je pense, sur un peu l'usine, comme ici. Usine, ouais, j'appelle ça l'usine, mais bon, je ne sais même pas si ça ressemble à une usine. Et je pense que la prochaine fois, je supprimerai Spinning Coaster, je le mettrai ici. Enfin, j'y verrai. Et surtout, mettre un flume ici, parce qu'on n'a pas fait de Water Ride. Bon, après, normalement, il doit y avoir une mise à jour qui va sortir d'ici Noël. Où est-ce qu'il va ajouter pas mal de choses. Mais bon. Ça, je préfère pas m'avancer là-dessus. Il faut en être sûr. Alors, on va pivoter la gare. On va essayer de faire un peu comme Goliath à Walibi Holland. Un layout assez similaire. Je vois vraiment ce que je veux faire, en fait. J'ai une idée assez précise. Donc un lift à câble qui est assez caractéristique des Intamin, des méga Intamin. Ah, par contre on a les supports de bien dégueulasses que j'aime pas d'ailleurs. Le lift m'a l'air vraiment très très pointu. Ouais, je pense que c'est assez là la hauteur. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus haut. On n'a pas besoin du tout. Peut même raccourcir un peu parce que c'est trop long. J'ai vraiment l'impression que là, que c'est un peu trop pentu en fait. Comme lift. On va laisser comme ça.
Normalement, lift à cap continue un peu plus loin. Donc, on va faire ça. Faut pas être 100% à la verticale. Bon, on essaie de faire les choses bien. Ouais, c'est bien. C'est que ça fait un peu vertical. Mais... Il n'y a pas malheureusement de juste milieu parfois dans la réalisation des montagnes russes. Enfin pour ce jeu en particulier. C'est vraiment bien ce qui est vraiment bien sur nos limites, c'est qu'on peut vraiment prendre n'importe quelle inclinaison et c'est juste fou ce qu'on peut faire avec nos limites. Le jeu porte vraiment bien son nom pour le coup. Le simulateur, je préfère appeler ça un simulateur parce que c'est vraiment plus un simulateur qu'un jeu. Vraiment, on essaie de faire l'airtime. L'airtime qui va être trop prononcé. Voilà, c'est bien. On va juste modifier les couleurs parce que ça me perturbe d'avoir un bleu comme ça. Je préfère le vert avec les supports roses. Comme Goliath. Alors. Je crois que c'est un vert comme ça. Ouais, c'est un vert comme ça. Les supports. Non, pas les supports là, c'est les. Là, les supports, on va les mettre en violet. Je crois que c'est. Ouais, c'est un. Enfin, c'est un plus un rose violet. Je sais pas trop comment le décrire. On voit rien du tout. C'est pour ça que j'ai. Réglez-leur comme ça, ça va être mieux. Non, ok, non, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Le vert il est là, voilà. Et là, les supports, c'est ce petit carré là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça rend? C'est possible de mettre des autres supports là parce que pour le coup, ils sont pas très beaux. Ils sont pas forcément caractéristiques de tous les méga Intamin. On va voir ça. Non, je veux pas faire ça. Hein. C'est pas possible. Je veux juste modifier ça. Tout simplement. Regardez un peu. Ah, ok, on va mettre déjà les catalogues. Enfin, les passerelles, comme ils appellent là. Voilà, c'est déjà mieux. Un peu plus de réalisme. Peut-être même la mettre sur cette petite parcelle. Cette petite portion, excusez-moi. Ouais, super. Alors ensuite, on va essayer de faire un... Qu'est-ce qu'on va faire, tiens? On va faire un demi-tour sur le layout. Donc pas d'inversion hein, dans ces montagnes russes là, c'est assez important de préciser. Ça n'existe pas. Non. Surtout les méga intamines. J'aime pas trop. J'ai un peu peur de ce que je vais faire. C'est pas très beau. Hein. Non, c'est pas beau du tout. Ah là, c'est mieux. Bon, on a quelque chose de plus joli là. Heureusement qu'on a ce petit bouton égalisé qui fait vraiment un peu la différence parfois. Bah comme là, en fait, tout simplement. Ça fait la différence. C'est super. Oh du coup, ouais. Parce que comme c'était pas très très beau. Et là, on va faire un plongeon direct qui va faire un... qui va provoquer un airtime. Enfin, un plongeon. C'est un peu un terme assez lambda.
Alors. Ouais, c'est pas si mal que ça. Faut voir aussi les jets latéraux, si ça déconne pas. Ouais, non, c'est pas trop mal. Ouais, non, c'est bien. Normalement, les méga intamines sont tout le temps à 2 trains. Donc, on va mettre 2 trains, bien entendu. Donc, on met pas de frein. De frein en plein milieu du layout. Je pense que c'est bien. Alors, attendez, on a fait un camelback. Qui est très petit d'ailleurs. On a fait un demi-tour sur le layout. Un horse-chou. Ouais, c'est pas trop un horse-chou. Mais... Ah, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de faire. Non, les S-turns. On va continuer sur la fin parce que j'ai envie de faire des S-turns. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, les freins finaux. On va voir comment faire. Ouais, c'est pas trop ce que j'ai dans l'optique de faire. Parce qu'en fait, je réfléchis à comment on va faire la file d'attente. Et il va bien falloir passer en dessous. Bah non, je suis bête pour la faire passer ici. Donc non, c'est pas la peine de faire ça. Tac. Ok. Là, je suis en train de faire un S-turn, hein, si vous me demandez ce que je suis en train de faire, tout simplement. J'essaie juste de me concentrer pour pas faire de conneries sur mon S-turn. Bon, ça va aller plutôt bien. Nickel. On peut-être égaliser du coup parce que comme ça peut faire la différence. Ah voilà, c'est mieux. Là, on aura quelque chose de plus joli. Ouais, c'est bien mieux. Là c'est le petit S-turn. Ici on va faire des bunny hop pour la fin. J'aime bien le petit bunny hop. Par contre ouais, le virage était trop en fait, c'est pour ça que je suis en train de le modifier. Je veux juste que ça tombe un peu avant là parce que faut faire la théma de la file d'attente, c'est pour ça en fait. Bunny hop. Donc là forcément on en fait un petit parce que c'est la fin. C'est logique. Alors on va en faire des beaucoup plus gros. C'est vraiment des tout petits hein. On cherche pas trop loin. Hop, en voilà un deuxième. Et après on va continuer le layout via le reste, enfin via au début plutôt.
Alors donc on a fait notre camelback, on a fait un demi-tour sur le layout, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours pas d'idée. J'ai pas envie de refaire un camelback. On va faire un gros virage. C'est quoi? C'est rien de bien méchant en plus. Un gros virage à plus de 90. Bien méchant. Comme Taron et EGF. Alors ouais, je pense qu'en smooth ça va aller mieux là parce que c'est pas terrible. On va smoother. On va smoothie. Ouais, c'est pas trop mal hein. On tient quelque chose. On va continuer le layout. On va tester un coup pour voir ce que ça donne parce qu'il faut que ça remonte les. Ah ouais, mais les creux ils doivent avoir trop de jets, je sais pas du tout ce que ça va. Merde. Alors, le lift à câble, ce qui marche au moins. Bon, elle est bien pentue, mais ça me gêne un peu. Mais on peut pas faire autrement. C'est soit trop pentu comme ça, soit pas assez. Il n'y a pas de juste milieu en fait. C'est dommage. Alors, les jets verticaux, on va regarder un peu. Là, pour l'instant, on va regarder avec les G. Oh, on a 5G. C'est trop. Faut faire gaffe. Là, ça passe. Moi, je dis, y a pas de problème. Mais par contre, là, non. Ah non, ça passe pas. C'est pour ça que j'essaie de remonter un peu en essayant de freeze. Il y a trop de G. Il y a beaucoup trop de G. On va essayer de raccourcir le camelback. Voilà, l'aplatir un peu. T'as 2G d'airtime. Oula. Écoute, on va laisser comme ça. Tant pis. Mais c'est quand même compliqué à anticiper. Quoique non, c'était visible. Mais c'est quand même compliqué à anticiper les airtime. Puisque c'est pas censé être si gros comme airtime en réalité. Bah, c'est vrai que les creux, ils sont très petits. Et j'y ai pas pensé. Non, pas comme ça. Je fais des bêtises. C'est pas grave. C'est jamais grave en même temps. Je crois que l'airtime là on peut bien l'allonger. C'est pareil, là, le creux, je vais bien y faire attention. On va faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Je peux pas. Merde. J'essaie de faire attention maintenant. Alors, ouais, par contre, j'aimerais bien m'allonger. M'aligner! Bon, c'est pas grave, je continue à faire des airtime sur ce côté-là. Des petits bunny hop. Allez, voilà. On va l'allonger un peu. Alors.
17 mètres, 16 mètres, ouais, oh, c'est bien. Bon, ils seront quand même assez puissants, hein. Là, je vous avoue que c'est pas des petits. Super. Ouais, c'est pas trop mal. Ici, on a 21 mètres. 20. 16. Ouais, c'est bien, ça va reculer. Niveau hauteur. Maintenant, faut essayer de raccorder tout ça. Ça, c'est moins joyeux, on va dire. On va essayer de faire quelque chose d'un peu fait à l'arrache. Mais en même temps, c'est soit ça, soit on a des jets trop bourrins, et là ça va pas. C'est trop bourrin et c'est pas ce que je veux. Ouais, super. On a fait quelque chose de bien. Alors, les jets latéraux, on va regarder un peu. G verticaux, alors ça reste moins 2G, c'est pas bon. Déjà un airtime de moins 1G, c'est quand même bien puissant. Oh là, bah alors là, oh, 3G. Ouais. Hein, non. Ça va pas énormément. Et on a un bon S-turn. Le S-turn, il est parfait. Franchement, il est parfait ce S-turn. Mais le reste du layout, il y a trop de... C'est trop puissant en fait. Le truc est vraiment trop puissant. C'est pas bon signe. Tant pis, je l'ai commencé à le construire comme ça. Je peux pas reculer. J'essaie de le modifier quand même plus tard, mais c'est comme ça là. Je peux pas faire autrement. Il est moche ce truc. Je viens de m'en rendre compte. C'est dégueulasse. Ouais, c'est mieux là. Regardez un peu. Ah, niveau G, ça passe. Ça passe. C'est bien. Ah, c'est vraiment, c'est creux, hein. Ça pose problème. En fait, on a trop de jets dans les creux, ce qui fait que du coup, ça pourrait être trop puissant. C'est pas du tout ce qu'il faut. Au risque que les visiteurs fassent un malaise. C'est pas du tout ce qu'on veut. Trop de jets, tu le jets. C'est pas ce que je voulais faire. Enfin, si, mais autrement. Monte un peu. On égalise. Voilà. C'est juste pour avoir quelque chose de moins puissant. Je bricole un peu le coaster, mais bon. Tac, tac, tac. Je peux pas faire. Oh, mais non. Quelque chose d'assez incroyable. Oh, l'airtime, il est trop puissant. Ah ouais, non, il est trop puissant. Je le confirme. Il faut qu'il soit beaucoup plus allongé. Ça a l'air d'être mieux. Je dis bien ça a l'air. Ou soit faut encore l'augmenter. Mais non, c'est trop moche après. Ou même baisser tout simplement. Bah oui, je suis bête. On va même baisser le lift. Il est trop haut en fait. Ça donne trop de vitesse. Et après, ça va pas.
Ah ouais, mais ça baisse tout le... Ça baisse aussi la gare. Je sais pas ce que je veux. Non, non, non. Ah bah non, ça baisse la gare aussi. Ah ouais, j'aime pas. C'est pas possible. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais là c'est pas possible. Alors attendez, faut pas que la gare soit trop enfoncée non plus. Ouais, non, c'est pas possible. On pourra pas faire autrement. Tant pire. Que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, c'est mal égalisé, ça, j'aime pas. Tant pis. Oh, c'est pas plus mal, hein. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ce sera peut-être sujet à modification dans le futur. Je pense à la fin du layout qui est bien foireux. Enfin, non, au début du layout qui est bien foireux. La fin, ça va, hein. La fin, c'est limite même parfait. Mais alors, le reste, j'en suis pas fier. Bon, pour la gare, on va. Voilà, tac. La sortie sera de l'autre côté. Parce que c'est mieux pour le débit, tout simplement. Quoique le débit, vu comme on est au fond du parc, le débit, je crois que c'est pas très important. Ça, c'est dommage, ça. Pourtant, c'est pas véridique, hein. Dans la réalité, même si le montagne russe est au fond, les gens viendront et il sera obligatoirement. Il faudra vraiment qu'il y aura un bon débit. Donc c'est pas forcément vrai ça que, plus les montagnes russes sont placées au fond, plus moins ils ont besoin d'un gros débit. Je pense notamment au parc Astérix, tous leurs gros coasters sont situés au fond. Je pense à Osiris, Goudurix, même s'il est bien pourri, on est d'accord. Et Tonnerre de Zeus sont tous au fond et ont besoin d'un assez bon débit, sinon il y a trop d'attente. Voilà. Bon, j'allais prendre l'exemple de Fantasyland, mais Fantasyland, tous leurs coasters sont. Enfin, il n'y a pas de vraie entrée chez Fantasyland, c'est tout. Il y a trois entrées hein, à Fantasyland, si vous voulez savoir. Il y a Mystery, China et l'entrée principale. Mais pour le coup, ça, enfin, l'emplacement d'un coaster n'a rien à voir avec son débit. Enfin, ça n'a aucune influence sur le débit. Moi, je fais une file Park Buff, si vous voulez savoir. Ah oui, mais par contre, pour la file. Quoi qu'on a vraiment pas besoin de file. Si on pourrait la faire passer sous le coaster, là, juste là. Ouais, mais non. On va faire ça. Je crois qu'il n'y aura pas de file. File passe express parce que je vois pas par où la faire passer sinon. Je suis bête, tout simplement. Tout simplement. Tac. Bah c'est pas plus mal, c'est bien. On a bien fait la montagne russe. Enfin non, non, pas la montagne russe, la file d'attente. Parce qu'en elle-même, c'est pas terrible. Au coup comme elle ressemble à Goliath, on va appeler Goliath parce que j'ai pas d'autres idées. Sinon, je changerai le nom. Au pire. Les trains sont tout moches. Ils sont bleu pétant, mais putain, mais quelle idée. Excusez-moi, mais. Là franchement c'est tout moche. Orange, non faut pas exagérer non plus. Mettre ça en noir gris. Non, noir un peu violet. Un peu bleuté. Ouais c'est bien ça. Les harnais on peut pas changer. C'est con. Non, c'est tout moche. C'est moche. Ouais c'est bien là.
Là, je crois que c'est la couleur de la barre des harnais. Non, toujours pas. Pourquoi les harnais sont... Enfin, la barre est... jaune. What the fuck? Attendez. C'est quoi ces couleurs de roue? Non mais, sérieux. Les pieds. Ouais, non. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait sur les roues, mais... ça n'existe pas. C'est quelle couleur ça? Enfin, ça va où? Sur le côté? Ah ouais, c'est les petits points là. Mets-toi en noir. Ça sert à rien de toute façon. On va mettre deux wagons. Enfin, un nombre de trains. Ah, pourquoi c'est fermé? Merde. Ah ouais, j'aime pas ça. C'est pas très bon pour le débit. Cherche de, pour mettre deux trains. Ah, pourquoi je peux mettre deux trains? Bon, on va regarder en on-ride. Je veux l'on-ride. Merci. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok, le premier camelback qui est très puissant, je le confirme. Là, ça passe. Avec quelques à-coups, mais ça passe. Ouais, non, là, trop d'à-coups. Et trop de dilatéraux. Trop de dilatéraux aussi. Un petit airtime qui est bien. Un bunny hop qui est trop puissant. Celui-là est aussi puissant. Pareil. Ça va. Trop de dilatéraux. Et un S-turn qui est très bon. Ouais, il est bon le S-turn. Alors par contre, j'aimerais bien mettre les deux trains. Pourquoi il veut pas mettre les deux trains? Peut-être la zone de frein est trop courte. Enfin, la zone de... Ouais. On va regarder ça. Pourquoi? Pourquoi? Normalement ça devrait rentrer. Ouais, normalement ça doit être bon. Hein. Je vois pas pourquoi ça... Enfin, on est bien d'accord que ça... C'est plus long que la gare. Au moins que... Ah non, je sais pas. Petit problème. Parce que j'aimerais bien mettre mes deux trains. On va mettre que 8. C'est trop pas assez. Parce qu'apparemment on peut pas mettre plus de trains que ça. C'est problématique. Ouais mais non, on peut mettre des trains comme ça. Pourquoi je peux pas rajouter ma zone de freinage? Pourquoi je peux pas cliquer dessus tout simplement? Bon, allez savoir, il y a des bugs parfois. Pourtant je viens de faire la mise à jour, il n'y a aucun problème. C'est vrai que je fais pas tout le temps les mises à jour. Ça peut me poser problème, mais là je l'ai bien faite. On va mettre les passerelles, comme il l'appelle. Ça c'est bien la zone de freinage. Bah oui, c'est la zone de freinage. J'ai bien mis ma zone de freinage. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout devrait fonctionner correctement. Je crains que ma zone de freinage soit pas assez longue. C'est ce qui peut poser le problème. Oh ouais, cette transition est complètement dégueulasse. Ah, par contre, mon S-turn, non. Il est dégoûtant maintenant. Ouais, ça va pas.
va regarder si je supprime ça. Si. Pour voir si ma zone de freinage était vraiment trop courte ou pas. Bon, ce serait un gros épisode galère, mais bon. Je commence à avoir l'habitude en fait. On va regarder si je peux mettre ce deuxième train. What? Non mais ça devient chiant là. Please. Si je mets une deuxième zone de freinage, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est possible qu'il m'en demande une deuxième du coup? Non. Non, please, please, please. Non, je crois que c'est pas possible. On est dans la merde. Tac tac tac. Je crois que je referai complètement le layout de mon côté. Déjà qu'on a un bon layout foireux. Bon là il y a 10 000 roues de friction. Ah ok. Ça marche. Alors est-ce qu'il fonctionne au moins? Est-ce qu'il démarre? Oh il démarre. Oui il démarre. C'est déjà ça. Ok bon. Ça fait déjà 37 minutes que je suis sur cet épisode. Bon bref, je vais faire ma conclusion tout de suite. C'est pas grave, on se retrouvera donc pour un prochain épisode. J'améliorerai ce coaster, je construirai un flume et je thématiserai un peu tout ça. Je pense que je gérerai bien le coaster. Je supprimerai complètement le layout parce qu'il est complètement dégueulasse. Bref, donc on se retrouve pour un prochain épisode de Planet Coaster. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous adorez mes vidéos. Allez, à plus tard. Et ça, petit commentaire surtout. Petit commentaire, j'aime bien. Allez, à plus tard. Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his 30th birthday. Put eggs into my bowl at the milk of 2 months ago. It's moldy, mom, isn't it?